Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'affaire qui m'a été proposée et qui concerne donc Monique Gravel, cette personne qui a été retrouvée assassinée à son domicile. En effet, cette dame qui était professeure en école infirmière a été découverte par ses enfants qui rentraient d'un week-end chez leur père, là où ils avaient l'habitude de se rendre pour les fins de semaine. Ils vivaient avec leur mère toute la semaine et allaient voir leur père le week-end. Donc cette personne a été retrouvée assassinée, rouée de coups, et il s'est avéré que la cause du décès était la strangulation. Nous n'en savons pas plus concernant les objets qui auraient pu être utilisés, savoir si c'était une strangulation réalisée par une personne avec ses mains ou avec un objet. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations du tout. Nous savons simplement qu'une trace ADN a été retrouvée dans un bonnet qui appartiendrait certainement à la personne qui s'est introduite dans le domicile de Monique et qui l'aurait agressée. Nous avons appris également que son véhicule avait été retrouvé un peu plus loin, à un croisement, là où certainement les agresseurs auraient abandonné celui-ci. Nous allons déjà voir un peu ce que ce jeu veut nous dire concernant Monique et puis les derniers moments de sa vie, savoir ce qu'elle veut nous faire passer comme message et si elle souhaite nous donner des indications sur ce qui a pu lui arriver ce jour-là concernant son décès. Alors cette affaire est un peu complexe, surtout qu'elle n'est pas française, c'est une affaire québécoise et il y a très peu d'informations à ce sujet. Donc, je regarde tout de suite. Donc, nous avons le rire avec le démon. Le pardon avec quelqu'un qui fait la manche. La joie avec le diable. Se conformer et la fourmilière. Le jeu et l'appel. Ok. Donc pour moi ici, tout de suite, on nous parle des circonstances, du dernier moment à peu près de sa vie. Et on nous dit, à mon avis, qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle connaissait. Elle a fait face à une personne à qui elle avait accordé sa confiance, semble-t-il. En tout cas, une personne avec qui elle pensait passer de bons moments, des personnes avec qui elle avait certainement déjà eu une relation sentimentale ou au minimum amicale très très proche. On me parle de quelqu'un qui serait un petit peu dans la misère affective, quelqu'un qui aurait du mal à confier ses sentiments. On me dit que c'est quelqu'un qui a essayé toute sa vie, pas Monique, hein, cette tierce personne, de se fondre dans la masse, de se conformer à une certaine organisation, une certaine rigueur. Et Monique semble s'être fait avoir par les apparences que cette personne lui montrait, car en réalité, pour elle, les objectifs n'étaient pas du tout les mêmes que pour Monique. Donc pour moi, elle connaît d'ores et déjà, on peut me dire là qu'elle connaît la personne, au moins une des personnes, on va voir s'il y en avait plusieurs, qui ont agi contre elle ce jour-là. Je vais continuer d'explorer cette dernière journée de la vie de Monique. Et je vais utiliser les cartes qui vont peut-être nous permettre d'obtenir un éclaircissement au niveau du message que Monique pourrait vouloir nous donner. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit peu différemment. C'est-à-dire, j'ai des cartes que vous connaissez très bien, qui sont donc les messages des âmes. Mais il y a des cartes complémentaires ici. Et ces cartes complémentaires, je les utilise vraiment très peu. Malgré tout, je tiens à les utiliser pour Monique Gravel parce que nous avons vraiment trop peu d'informations et donc je vous propose d'avoir peut-être ici un complément intéressant.
Elle a un message à transmettre. Très bien. Ok, pour moi, c'est tout de ce côté-là. Ok. Message à transmettre. Et nous allons procéder au tirage pour Monique. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des informations, si vous étiez sur place, si vous avez vu quelque chose. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les forces de police parce que Monique avait deux enfants et je pense que pour eux, comme pour son ex-mari, comme pour ses parents, il serait important de pouvoir tourner la page et pouvoir effectuer correctement leur deuil. Des secrets. Alors, nous allons déjà regarder peut-être ces deux cartes, je vais voir si une autre vient. Le poids des larmes. Je sens que j'ai du mal à parler de nouveau. Donc je pense qu'on est bien connecté et de l'aide. Allez, on va déjà regarder ces cartes. Et puis on reviendra après si besoin était avec un complément, un peu d'information. Mais d'ores et déjà, je pense que ça peut être pas mal de regarder ce que ça peut évoquer en nous et ce que le message qui est conféré ici peut nous indiquer. Alors, nous avons donc ce message à transmettre. Cette carte de message à transmettre est une carte, donc vous voyez, qui est différente des autres. En réalité, ces cartes permettent une autre connexion, une connexion plus médiumnique, qui permet de voir sa propre interprétation. C'est pour ça qu'ici, j'ai souhaité l'utiliser. J'ai appris à les travailler au fur et à mesure, je commence à mieux les maîtriser, donc je vais essayer vraiment de me fier à ce message. Et donc là, nous avons un message à transmettre et dans le livret, on nous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités médiumniques. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message à transmettre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde cette carte autant que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Et pour moi, cette carte me dit que Monique, effectivement, connaissait très bien la personne et que je pense qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction dans son domicile. À vérifier, mais je pense que si cette information est disponible, il faudrait regarder car pour moi, il n'y a vraiment pas eu d'effraction. Elle est décédée un peu par excès de confiance. Je pense que quelqu'un l'a clairement roulé. je suis désolée, j'ai du mal à parler. Ma gorge est vraiment très serrée. Je pense que c'est pas anodin, sachant qu'elle a été étouffée. On me montre une scène dans laquelle il y a face à elle une personne avec qui elle a déjà beaucoup parlé dans le passé, qui connaît déjà beaucoup de choses de sa vie. Quelqu'un qui lui en veut et quelqu'un qui a nourri de la rancœur à son sujet. Voilà ce que je ressens. Pour moi, donc, on va se fier au message de l'entité ici, puisque nous avons un message qui est à transmettre. Donc, c'est bien un message qui vient d'elle. Elle nous dit, j'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets, des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps, des choses que je n'ai pas forcément partagées. Ne m'en voulez pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui, j'en suis libérée. Je sais que parfois, les gens pensent à moi et se posent des questions. Ne croyez pas que vous avez besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que vous construisez pour vous. Mais en revanche, ne faites pas comme moi, ne gardez pas ces secrets pour vous. Libérez-vous. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Vous pouvez vous libérer de ces secrets. Je vous en apporte la force par ma présence. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Pour moi, ici, elle nourrissait soit une relation avec une personne qui était en couple, soit une amitié qu'elle estimait ne pas pouvoir en tout cas mener au grand jour.
il y avait une relation ici, pour moi, de confiance qui s'était créée entre ces protagonistes, mais qui n'était pas vue ni sue. Donc pourquoi? Peut-être parce que cette personne envisageait déjà de lui faire du mal. Peut-être parce que Monique n'avait pas envie de parler de sa vie privée pour le moment à sa famille ou ses amis. Peut-être qu'il était récent dans sa vie qu'elle ait rencontré cette personne et qu'elle estimait qu'il soit trop tôt pour elle. Mais en tout cas, elle a délibérément voulu cacher cette relation, en parler le moins possible et garder les choses pour elle afin de ne pas intervenir là où ça ne la regardait pas, entre guillemets. Derrière, nous avons le poids des larmes. Alors le poids des larmes, c'est une carte qui est très difficile parce qu'on exprime ici des choses qui sont un petit peu compliqué pour l'âme de la personne. Donc je vais me référer avec le livret parce que ce sera toujours plus clair, je pense, pour tout le monde. Le poids des larmes, donc, qui est représenté ici avec les deux mains qui sont comme on demande au niveau d'une entité supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec cette carte ? Il y a une partie de quelqu'un qui est proche de Monique, qui est très triste et dont elle a envie de pouvoir étancher les larmes. Elle sait qu'autour d'elle, le départ a été vraiment difficile et que pourtant, le poids des larmes qui est évoqué ici n'est pas qu'en lien avec son départ. En fait, elle nous dit ici qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé de la laisser partir et qui n'ont pas dépassé cette agression. Elle le comprend, et elle aimerait pouvoir les aider davantage, mais elle ne peut pas le faire, c'est leur propre chemin. Elle leur dit que les intentions qu'ils peuvent avoir, et qu'il s'agisse de larmes ou non, ne lui sont pas nuisibles, et au contraire, qu'elle est là pour les consoler. Elle dit un très beau message ici, et je dois le transmettre, hein, puisque c'est la première carte qui m'est arrivée. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors, pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler et pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie et que nous allons partager une communication douce et unique. Pour moi, c'est vraiment un message qui est adressé à ses proches et notamment à ses enfants. En tout cas, c'est ainsi que je le ressens. Je sais qu'elle a deux enfants et je crois vraiment que pour elle, la difficulté est de les voir souffrir de son absence. Enfin, avec la relation d'aide, elle nous dit qu'elle sait également que les gens ont encore beaucoup de mal à digérer son départ. Elle dit qu'elle avait beaucoup de difficultés à recevoir l'aide des autres durant son vivant et elle pensait que cela n'était pas juste pour elle. Et elle avait peur aussi d'avoir des reproches si elle demandait de l'aide. Alors elle a fait beaucoup de choses seule, sans baisser la tête, en se montrant courageuse. C'est une femme qui n'a pas forcément eu besoin d'être en couple pour se sentir épanouie ou d'avoir des béquilles dans la vie. C'est une femme forte. Malgré tout, elle a vécu des situations assez pénibles pour elle qui ont été très instructives pour son âme. Pour le moment, elle dit que son rôle n'est pas d'apporter une aide directe au vivant, mais qu'elle est là pour apporter un peu plus de joie et réveiller l'enfant intérieur des personnes qui étaient proches d'elle. Donc voilà pour le message que Monique souhaite passer aujourd'hui. Je pense que c'est important pour la famille, vraiment. J'espère qu'ils pourront visualiser cette vidéo. Et je leur adresse évidemment bien toutes mes pensées et toutes mes condoléances. Je vais tirer avec le jeu suivant. Je pense que ça sera le plus adapté. Ouais, je vais prendre, de toute façon, je prends le grand été là. Et puis celui-ci nous dira un petit peu. Bon, alors, tout de suite, j'ai la carte du chagrin qui s'est retournée. On va voir ce qu'on va nous dire un peu sur les circonstances, en fait, de ce meurtre. Pour Monique. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre cette carte de côté. On va la considérer comme une carte à part. Et nous allons regarder ce qui a pu être compliqué pour elle, ce qui a pu être une force pour elle, ce qui s'est passé et comment on pourrait
en avoir un petit peu plus de détails, essayer de faire résoudre éventuellement cette affaire. Alors, pas moi directement, bien entendu, mais avec quel moyen, quel levier on pourrait intervenir au niveau de la justice éventuellement. Donc la carte du chagrin ici, bah écoutez, nous indique une situation telle qu'elle est. Hein. C'est vrai que malheureusement pour la famille, c'était une situation très très difficile. Et cette carte du 2 de bâton, comme je vous le dis souvent, nous dit ben, partir c'est mourir un peu. Donc ici, il y avait un projet, je pense quand même qu'elle était proche d'une personne avec qui elle avait envisagé potentiellement un week-end ou des vacances. Mais ici, ce n'était pas la bonne personne, elle l'a emmenée malheureusement à son dernier voyage. Donc nous avons la carte de l'inquiétude qui ressort. Alors Monique, on sait très peu de choses sur elle. On sait très peu de choses aussi sur ce qui a suivi cette affaire. Mais ici, on nous parle d'inquiétudes qui sont liées à l'argent. On nous dit qu'elle avait des soucis d'argent et que cela lui la préoccupait beaucoup. Alors, elle avait des profits qui pouvaient arriver malgré tout. Alors, ces profits... Alors c'est toujours un petit peu une carte qui est un peu à double sens puisqu'on peut nous parler de profits intéressants mais sans plus. On nous dit vraiment que cette carte n'est pas forcément une carte très symbolique et que si celle-ci est pourtant nommée profit, eh bien on ne parle pas d'un grand bénéfice. Donc ce qui était possiblement vu pour elle comme quelque chose de positif, eh bien, ne l'était pas vraiment et elle a été leurrée. Ça ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. Nous avons la carte de l'affection qui arrive tout de suite après la carte de l'inquiétude. Cette carte de l'affection, c'est une carte du camier qui est représentée à l'envers. Donc, le camier, c'est un valet. En général, c'est plutôt positif. Ici, on nous dit qu'elle a accepté une certaine amitié qu'on lui a proposée. Elle était du coup dans une relation d'affection. Et nous sommes dans le négatif ici de ce côté, donc dans la faiblesse. Quelqu'un a bien abusé de sa confiance. Pour obtenir des gains. Alors quels gains? Je ne sais pas si on nous parle vraiment des gains financiers, puisqu'ici rien n'a été établi en ce sens durant l'enquête. En tout cas, je n'en ai pas du tout entendu parler. C'est le 10 d'épée qui est représenté, mais qui est représenté retourné. Donc on nous parle ici d'une situation d'autorité plutôt. On nous dit qu'il y a eu des gros chagrins autour d'elle, mais qu'elle a réussi à s'affirmer par l'autorité et que, si vous me permettez de dire ainsi, eh bien cette autorité s'est retournée contre elle. Le législateur, donc cette affaire effectivement en conclusion, a bien été jugée et nous n'avons malheureusement pas pu obtenir bien grand chose de plus, puisque toutes les personnes qui ont été motivées et présentes lors des prélèvements ADN ou des tests... allons, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, les questionnaires là, de vérité, en fait, tout le monde est ressorti innocent. Personne ne correspond à l'ADN qui a été retrouvé dans le bonnet qui était dans la chambre de Monique et qui n'appartient visiblement à aucun membre de sa famille. Il y a bien eu une trace ADN, mais elle n'a pas pu être authentifiée. Donc le législateur, ici, cette carte de Salomon qui est à l'envers, nous dit qu'il va falloir faire appel à la justice et les relancer régulièrement. Malheureusement, pour nous, ici, il s'agit d'une affaire qui, je pense, sans nouvelles informations, risque d'être classée. Voilà ce qu'on peut nous apprendre concernant le décès de Monique Gravel. Je vous propose un dernier tirage afin de pouvoir exclure ou pas la potentielle relation avec son ami réalisateur de film. Je vais poser la question afin de savoir si c'est à cause de ça que celui-ci est décédé d'un infarctus au moment de l'interrogatoire. Parce qu'en réalité, ce monsieur n'avait pas, semble-t-il, n'en était pas du tout à sa première crise cardiaque. Donc, il semble quand même qu'on puisse exclure l'idée qu'il soit décédé d'un trop grand stress. Mais malgré tout, on va voir ce qu'avec les cartes, on peut essayer de comprendre. Parce qu'il y a toujours des choses à comprendre avant de juger.
Et on va essayer en tout cas de tirer au clair un peu les relations et surtout voir s'il y a effectivement quelque chose à en dire. Parce que souvent, il ne faut pas insister et chercher des choses qui n'ont pas lieu d'être lorsque celles-ci n'ont pas lieu d'être. De mon propre ressenti, comme ça, je vous avoue que je ne pense pas que cette personne soit en lien avec l'assassinat. Mais il vaut toujours mieux vérifier plutôt que de se fier à nos propres ressentis qui parfois peuvent nous induire en erreur, d'où l'idée d'utiliser les cartes en plus de mes ressentis pour me confirmer ou m'infirmer les choses. Alors, nous avons en couple le valet de trèfle retourné et on va demander si ce réalisateur est en lien avec le décès de Monique Gravel. Voilà, donc c'est un tirage à trois cartes seulement. Et nous allons regarder ensemble. 8 de trèfle renversé. Non, il n'est pas en lien. C'est un peu ce qui me semblait. Donc là, j'ai un peu cette confirmation qui me conforte. Donc on dit pourtant que c'était bien une personne qui était inconstante, hein, dans sa vie, ce monsieur. Quelqu'un qui pouvait se présenter comme instable, un peu lunatique. Peut-être une personne qui s'inventait aussi des difficultés dans sa propre existence. Mais par contre, on me dit qu'il n'a rien à voir avec ce décès, qu'au contraire, pour lui, son amitié avec Monique était comme un cadeau, en fait. C'était une personne qu'il appréciait et avec qui il aimait échanger. Donc, pour moi, il n'y a aucun lien entre lui et ce décès. D'ailleurs, on nous parle ici, ben, écoutez, du souci qu'il avait pu avoir précédemment dans sa santé. C'était un souci qui était déjà intervenu avec le 7 de pique renversé. Et nous avons enfin la carte des grandes vacances, du départ. Et donc ici, nous savons que ce monsieur est décédé. Donc pour moi, il n'a rien à voir effectivement avec ce qui est arrivé à Monique. Je vais, même si la police a exclu son époux, je vais quand même essayer de poser la question, savoir si celui-ci aurait pu payer quelqu'un. Éventuellement, est-ce que la demande aurait pu venir de son ex-époux? Parce que, par exemple, problème de garde ou autre, je ne sais pas. Donc là, j'ai une carte qui est tombée. Ce sera celle que je considérerais comme la coupe. Et je vais me concentrer pour savoir si l'ex-mari de Monique Gravel avait un lien par rapport à son décès. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui viennent. Je ne connais pas ce monsieur. Excusez-moi, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Je ne connais pas ce monsieur du tout. Je n'ai pas trouvé son nom ou son identité. Je n'ai pas trouvé de photo non plus. Donc, je ne peux pas du tout essayer de me connecter. Mais on va voir déjà ce qu'on me dit à son sujet. L'ex-époux de Monique. Est-ce qu'il a quelque chose à voir dans sa mort? L'ex-époux de Monique Gravel. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que celui-ci, ben, n'avait rien à voir parce qu'il gardait ses enfants très loin de son domicile. Mais il y a d'autres façons de procéder parfois dans la vie. Et c'est une question qui est une interprétation de cartes, encore une fois. Donc ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, la réponse est non. La réponse est non, là également. Donc il n'aurait rien à voir, ce monsieur, avec le décès de son ex-épouse. Et on dit donc avec cette carte de coupe ici qu'il a vécu une grande période d'angoisse et de désespoir avec cette situation. C'est quelqu'un qui a vraiment été découragé et qui a été très triste d'apprendre que son ex-femme avait été assassinée de cette façon. C'est quelqu'un qui ne s'est pas montré indifférent et qui était sincère. On nous dit pourtant ici attention parce que c'est un homme qui peut se montrer manipulateur. C'est quelqu'un qui peut se montrer très sournois et se montrer, comment on dit, toxique. Donc je pense que le divorce n'a pas été prononcé pour rien. On nous montre que c'est quelqu'un qui agit un peu avec opportunisme, qui est très sournoise, une personne qui sait se montrer vraiment peu agréable à fréquenter, en tout cas dans sa relation avec Monique.
Et pourtant, celle-ci semblait être une femme de tête qui nous est représentée là. C'est vraiment un couple qui n'était pas harmonieux, puisqu'ici, c'est une femme qui était plutôt stratège également, mais qui savait se montrer économe et très digne face à l'adversité. Donc le comportement n'allait absolument pas, son ex-mari et elle, ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, ici, on voit que c'est le procès et le litige, donc le divorce et le différend familial. C'est tout ce qu'on a à nous dire concernant leur relation. Donc on nous parle uniquement du divorce qui a été fait et qui a été visiblement accepté par les deux parties sans aucune difficulté. Eh bien voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour Monique Gravel. Si toutefois je peux peut-être obtenir d'autres informations avec le dernier jeu que je vais vous proposer, ça sera avec plaisir. Je vais demander à savoir qui est intervenu dans le décès de Monique Gravel. Est-ce qu'on peut me donner une idée de la personne qui a assassiné cette femme? Donc là, je vais prendre les cartes du tarot de la lumière. Qui a assassiné Monique Gravel? Wow. Donc ces cartes sont sorties d'elles-mêmes. Je vais les garder toutes parce qu'elles étaient réparties d'une manière atypique. C'est pour ça que j'ai eu cette exclamation. Donc je les garde parce que je pense qu'elles n'ont pas de hasard. Donc là, on va regarder qui aurait pu intervenir. On voit le 9 de denier tout de suite. Alors le 9 de denier, on nous parle d'une personne qui était indépendante, plutôt qui s'était bien réalisée dans sa vie perso. C'était plutôt une femme qui avait une certaine, comment dire, un certain confort matériel, qui avait plutôt bien réussi, qui ne manquait pas. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément dans le besoin, mais qui n'était pas non plus dans l'excès de la richesse. C'est quelqu'un qui s'en sortait malgré sa séparation et qui, semble-t-il, était plutôt fier d'ailleurs de ça. C'était plutôt une victoire d'arriver à s'en tirer. On voit avec l'as de coupe après qu'il y avait bien un nouvel amour, une nouvelle relation. Il y avait un renouveau vraiment autour de ses émotions, de son relationnel. Il y avait une nouvelle période qui s'était ouverte à elle ici, hein, clairement. Et d'ailleurs, après, on a cette carte du pendu qui arrive. La carte du pendu, ben, nous confirme un petit peu ça, puisqu'on nous dit que c'était la fin des blocages. On nous parle ici d'un renoncement. On dit que c'était quelqu'un qui était dans le lâcher-prise et qui avait de nouvelles perspectives. Donc c'était plutôt positif pour elle au départ. En tout cas, elle envisageait ça d'une manière très positive. Et puis, il y a le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, lui, nous annonce des conflits. Elle a reçu des critiques qui lui ont vraiment fait du mal et s'est sentie humiliée, révoquée par quelqu'un. Donc toute cette belle période s'est retrouvée complètement chamboulée suite à ça. Elle l'a très très mal vécue, comme une énorme trahison et un énorme rejet. Parce que cette personne, en fait, lui avait fait de fausses promesses et c'était quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Là, j'ai demandé qui s'en était pris à elle. L'impératrice en complément. Alors, l'impératrice nous apporte peu de détails par rapport à la situation, si ce n'est qu'on nous parle peut-être de fécondité, d'instinct maternel, ou on peut nous parler aussi de prospérité. Donc, la relation ici, telle qu'elle avait commencé, semblait être plutôt pérenne. Malheureusement, soit elle a su que son nouveau conjoint se moquait d'elle et ne voulait pas s'engager, soit elle a pu apprendre qu'elle était enceinte et cela a posé une grosse difficulté. Et cela aurait pu être un gros problème pour son conjoint. Je ne sais pas si des analyses ont été faites en ce sens. En tout cas, il y a peut-être eu des conversations autour d'un nouveau départ, qu'elle souhaitait être comme une naissance, une renaissance dans sa vie, et lui n'était pas du tout prêt. On me dit vraiment qu'il y avait de l'instabilité émotionnelle, de nouveau confirmée ici, autour de la personne qui l'a agressée. C'est quelqu'un qui n'était pas stable du tout et qui était très immature. C'est quelqu'un qui n'a plus donné de ses nouvelles, qui a coupé tous les ponts. Et en fait, pour lui, c'était une relation sans lendemain. Il n'y avait pas d'engagement. Alors que pour elle, si. Oui. Pour elle, c'était très différent. Je continue un peu de cette manière qui n'est pas protocolaire, mais j'ai plutôt
Pour le moment, des réponses qui me semblent plutôt claires concernant la personne qui serait intervenue dans sa mort. Et nous allons essayer d'avoir le pourquoi de cette intervention. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Quel était le motif de cet assassinat? Pourquoi est-ce que Monique Gravel a perdu la vie, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui, semble-t-il, en tout cas encore une fois, hein, qui la connaissait. Donc on parle de la reine de deniers, mais la reine de deniers renversée de nouveau, donc quelque chose de négatif. On nous parle d'une personne qui l'aurait attaquée c'est quelqu'un qui a craqué, une personne jalouse autour d'elle, quelqu'un qui est très matérialiste et qui est plutôt quelqu'un d'égoïste, qui garde tout pour lui. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout. En fait, on a vraiment une poker face ici d'une personne qui s'est présentée comme plutôt super contente, super avenante, très agréable et qui en réalité nourrissait une véritable haine. On me montre après le mat, donc aussi le fou ici, hein, qui nous parle d'un nouveau départ. Il semble vraiment que cette personne qui a attaqué Monique soit immature. On nous le redit ici. C'est une personne qui est assez insouciante, qui n'a pas du tout pris le recul sur la situation et qui n'aura jamais la moindre raison de parler parce qu'il s'en fiche complètement de ce qu'il a fait. Le cavalier de bâton retourné nous parle de son impulsivité à cette personne. C'est une personne qui s'est montrée très colérique. Peut-être qu'il y avait une négociation en cours, mais en tout cas, c'est une personne qui était impatiente. Alors, impatiente de quoi, je ne sais pas, mais quelqu'un qui ne voulait plus attendre. Est-ce qu'elle devait de l'argent? Est-ce que c'était par rapport à un rendez-vous? En tout cas, c'est quelque chose qui a été accéléré à la demande de cette tierce personne. Pourtant, bien, cette tierce personne ici a fait croire en tout cas à un espèce d'idéal de vie qui se dessinait et a fait penser à Monique qu'elle aurait de nouveau droit à un amour partagé. Et la papesse qui clôture un peu cette série ici, qui nous indique le pourquoi est-ce qu'on est venu assassiner Monique, eh bien cette papesse nous parle vraiment d'une personne qui était dans l'ésotérique, on peut dire ça comme ça, une personne qui était qui est une personne mystérieuse, voilà, une personne un petit peu perchée, une personne qui pense probablement avoir commis quelque chose de sacrificiel ou d'utile pour lui. Est-ce que c'est pour de l'argent? On va voir. Je vais continuer. Pourquoi Monique Gravel a-t-elle été assassinée? Donc, quel objectif Monique Gravel a-t-elle été assassinée? C'est une affaire dont, comme je vous dis, qu'on connaît très peu ici en France, mais qu'il est important de citer afin de pouvoir faire vivre la mémoire de Monique et que nous n'oublions pas cette femme qui a une famille comme tout le monde et qui manque certainement à celle-ci. Pourquoi Monique a été tuée? Ah, j'ai mes voisins qui se mettent à crier, ça faisait longtemps. Bon, je rigole, ça faisait pas longtemps du tout. Ah, la joie de la collectivité. L'enfant marche, l'enfant court. J'évolue avec lui. Je suis la croissance de l'enfant. Alors, pour les parents, je pense qu'il n'y a aucune excuse. Hein, voilà. Mais l'enfant, on ne peut rien dire. Allez, 5 de coupe, 9 de bâton, la lune et le 10 de denier retourné. Donc, le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est vraiment la perte, le chagrin. On nous parle ici de regret, on nous parle de remords et puis de déception. Donc, pour moi, cette personne attendait quelque chose en particulier de Monique. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Hein. C'est quelqu'un qui la connaissait, mais alors c'est pénible. On ne me donne pas bien plus de renseignements sur cette personne. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui serait en lien avec la famille? C'est possible. Alors, le 9 de bâton, pour moi, ici, c'était vraiment un dernier effort à fournir. Elle avait des projets qui étaient vraiment sur le point d'être aboutis. Donc, je ne sais pas si ce sont des projets sentimentaux ou d'autres projets, mais en tout cas, Monique prévoyait des choses et pour évoluer et se sentir mieux. Parce qu'en effet, elle était victime de grosses angoisses, semble-t-il, de peur. Elle était parfois un petit peu confuse
C'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassurée. Je pense qu'elle a été victime de mauvaises paroles, de choses un peu blessantes dans sa vie. Elle a perdu confiance en elle. Et la personne qui l'accompagnait ce jour-là semble avoir tout fait pour lui faire penser qu'il était là, ou elle était là, pour la soutenir. Puisqu'on me montre ici que c'était pour Monique une personne qui menait bien sa barque, qui l'accompagnait. Une personne qui était plutôt victorieuse, quelqu'un qui se montrait déterminé. Donc elle avait confiance en cette personne qui se présentait vraiment sous son meilleur jour et qui était vraiment une personne pour elle certainement charismatique. Ici, on nous parle d'une autre problématique. On parle de dette familiale avec cette carte. Le 10 de deniers retourné nous parle de problèmes liés autour d'un héritage et de jalousie familiale. Donc, vous voyez, je pense qu'on est vraiment dans le cercle des proches ici. Il y a une certaine rage dans la manière dont elle a été tuée. Donc, pour moi, on est clairement face à quelqu'un qui la connaissait, de par la violence et l'acharnement. Visiblement, pas d'agression non plus sexuelle. Donc, du coup, moi, je pense vraiment qu'on est sur un individu qui la connaissait vraiment bien. Et le 4 d'épée nous parle de convalescence, d'un moment de besoin de se retrouver seul, de se retrouver au calme, de pouvoir s'octroyer une période d'évolution, de guérison. Ici, on sait que c'est clairement la période en fait d'évolution de son âme, puisque cette personne n'est plus de ce monde. Voilà ce que je pouvais apporter comme information concernant Monique Gravel. N'hésitez pas, si vous avez quelques renseignements complémentaires, à m'en faire part. Ce sera toujours avec un grand intérêt. Merci beaucoup à la personne qui m'a suggéré ce sujet. Je passe un grand bonjour à tous nos amis du Québec, tous nos amis du Canada. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.